Bonjour à tous. Alors, le livre de la Haggada, c'est un livre sur l'éducation des enfants. On entend bien par là qu'il s'agit d'avoir un devoir de mémoire, en fait. Le peuple juif, qui était hébreu avant la sortie d'Égypte, a bien reçu une promesse du Père Céleste. A bien reçu une promesse d'Hachem pour sortir de l'esclavage, et cette histoire s'est accomplie. On le sait aujourd'hui. Pour que le monde entier se souvienne que quand le Père fait une promesse, il la tient. Le livre de la Haggadah, c'est une sorte d'exercice spirituel où on dresse un seder le jour de Pessah, la fête qui célèbre la sortie d'Égypte. Et donc, sur cette table, le céder, c'est une table avec une nappe blanche, un chandelier, une menorah, sur laquelle est dressé tellement d'objets que ce jour-là, l'enfant doit poser des questions. Mais la Haggadah décrit différents types d'enfants. Il y en a qui ne vont pas poser de questions. Ils vont même être méchants, dire pourquoi vous faites cette corvée. Il y a différents enfants dans la Haggada. Il y en a qui vont pas savoir poser leurs questions. Et à la fin, ils finissent par poser une question à côté. Puis il y a l'idiot, celui qui pose pas de questions. Imbécile. Le but, c'est de le faire tous les ans jusqu'à ce qu'on arrive au Chacham. Celui qui pose les bonnes question. Et à ce moment-là, on a un devoir de mémoire. Voilà ce que c'est que le livre de la Haggadah.